C'est bien ici Auteur et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va s'occuper de la serre et je vais vous montrer quelques nouveautés aussi. Donc on va d'abord parler des nouveautés. Donc j'ai ramené quelques petits trucs, je pense que j'ai ramené la globalité que j'ai envie de Ark Lost Island. Donc j'ai ramené un drapeau, j'ai ramené quelques costumes que j'avais tout ça ici. Donc là je suis en train de farm pour aussi le skiff, donc prochainement j'aurai le skiff. Hop. Ici il n'y a pas trop de nouveautés ni là. Ici. Alors ici j'ai ramené des œufs. Donc je suis allé chercher quelques œufs. Des œufs. Voilà, c'est assez cool, hein, franchement. Donc voilà, tout simple. Que je ferai éclore prochainement. Ici j'ai ramené quelques petits trucs là-dedans, des trucs de mon autre map. J'ai ramené donc j'ai changé un peu la position, donc ça veut dire que ici il y aura les charges, ici ça sera tout ce qui est volant, donc j'avais déjà les trucs d'avant. Ensuite ici ça va être tout ce qui est dino non répertorié. Enfin qui mangent je sais pas quoi ou qui mangent qui sont omnivores, donc lui il mange de la pierre donc et de l'ambre gris, donc on va le mettre là-dedans. Peut-être plus tard je m'occuperai d'eux et puis après bon les petits ça sera pour plus tard, hein, je n'ai pas encore l'utilité pour l'instant. J'ai aussi rajouté une deuxième table pour réparer. Parce qu'une table pour craft et une table pour réparer c'est mieux. Hop. Parce que quand on a du mythique c'est assez cher. J'ai aussi créé des comment ça s'appelle des selles pour quelques bah, pour les sarcos et pour les ischtys. Des selles avec le schéma, donc c'est de très bonnes selles normalement. Je crois que pour les sarcos c'est en mythique il me semble, donc bon en termes de peau hein, c'est assez cher, mais vu qu'ils farment automatiquement je ramène plein de bêtes, ils sautent tous et j'ai du truc gratos, donc je vais pas me plaindre. Allez, bon, on va s'occuper du coup de la serre. Donc ça fait longtemps que j'ai pas ramené tout ce qu'il y avait dedans, donc j'ai pas mal d'engrais, voilà. Donc j'ai fait une session caca il y a quelques temps quand même, mais pas trop, c'est assez récent. Hop, tiens, de l'engrais. Donc voilà, je fais des petites sessions caca et tout ça. Donc là on va juste ramasser, donc j'ai pas non plus énormément. Tiens, on va le mettre chez lui, il faut que je remette de l'azote peut-être. Enfin bref, donc on va ramener. Donc j'ai fait vraiment une petite plantation assez sympa je trouve. Alors, pour ceux qui vont se demander, oui, pourquoi ta serre elle va durer longtemps et tout ça, pourquoi elle a poussé vite, j'ai changé les stats et du coup c'est rapide à pousser et c'est long à se désintégrer. Comme ça au moins, je m'occupe pas non plus trop. Donc voilà, ça c'est cool. Hop. Donc là c'est full carotte et j'ai beaucoup de narcotiques. Parce que la narcotique. Pour Tam, c'est vraiment important, même si je peux prendre mes dinos pour aller farmer. C'est bien quand tu te réveilles. Enfin, même si. Ah non, c'est faux. Excusez-moi. C'est pas un serveur du coup. C'est vrai que quand je me réveille et que je joue, c'est parce que hier du coup, je jouais. Et du coup, ça tournait. Donc non, c'est faux. Mais au moins. Quand je suis pas en train de farm, au moins j'ai des trucs qui produisent, donc c'est plutôt pas mal. Donc n'empêche, deux stacks, c'est plutôt pas mal. De chaque truc, là je vais avoir sûrement 4-6 stacks. Là il y a full narcotique. Ah bah même plus. Même plus, oh, je vais pouvoir en faire plein. En plus, j'ai plein de viande putride, purifiée, enfin bref. La mauvaise viande tout simplement parce que il tue tellement de bonhommes et tout ça
Et il tue aussi des dinos avec de la prime. Et la prime, ça périme rapidement. Et du coup, je gagne un peu pas mal de viande pas bonne. Donc c'est vraiment pratique. Et hop. Ah oui, donc j'ai pas mal de stacks, hein, 150 par truc. Je vais pouvoir me faire plein de pots de narcotiques, c'est super. Hop. Même si je peux en acheter dans tous les cas, il faut aussi que je fasse les quêtes parce que j'en ai pas encore fait. Mais j'en gagne plein, hein, des engrammes en AFK et tout ça, et j'achète des trucs des fois. Donc c'est plutôt pas mal. Et même dans cet épisode, on va se faire un opening niveau 3. J'ai 30 000, 37 000, il me semble. Donc voilà, je vais les mettre au frigo, à tout de suite. Hop, on va l'ouvrir tout de suite maintenant. J'ai vraiment envie d'avoir un truc mythique ou un truc tech. Le must, en vrai, ce serait des trucs utiles. Ah bah 42 000, ok. Par exemple un autre truc comme ça là tech ou voilà un bon petit truc donc Salut c'est survivant. parti. Voilà ce que j'ai. Je regarde pas, je regarde pas, Recommençons. je regarde en haut. Ok, alors on va commencer par en bas. Du sel de conservation, ok. De la poudre, de la perle noire, des pellettes de réjection. Donc ça c'est bon aussi pour les plantes normalement. Un masque de hockey costume. Ok. Ah, le jeu de mots, ouais. Lance-grenade tech mythique. Oh ça c'est très très bien. Ça fait du 151 donc c'est pas ouf. Des gemmes rouges. Des croquettes extraordinaires. Pour les dindes de compagnie en favori de nombreux créateurs exotiques. Ok, alors ça par contre, c'est le meilleur truc qui est quand même. J'ai la foreuse du coup en mythique, j'en ai déjà quelques-unes et tout ça, mais là. Bon, il faut de l'essence, bien sûr. Et on fera des sessions de pêche prochainement quand j'aurai créé. De pêche, j'ai dit. De farm, hein. Si j'ai dit pêche, je m'en souviens plus. Des sessions de farm avec ça et le skiff. Ça va vraiment être cool. On va faire un petit tour aussi avec les bêtes parce que j'adore voir comment ça se passe. On va tuer ça. Ça va tomber, je sais pas où, on verra. Hop là, alors lui ça tombe au milieu normalement et lui ok ça tombe dans l'eau et là ça tombe ici, ça va donner envie donc on va faire ça. Et voilà. Oh, on peut faire ça, genre, comme si on sauvait quelqu'un. Là, c'est pas trop du sauvetage. Hein. Et on va ramener à la terre ferme, celui-là. J'en connais qui vont être contents. Hein. Un peu écarté, hein. Grave, premier servi, enfin premier arrivé, premier servi. Hein. Hop. En tous les cas, ça va pas pourrir. Ça. Je m'en fais pas. Keiroku. Alors. Oh, 20 niveaux. Alors, on va mettre full dans la vie. 700 de vie pour un Keiroku, c'est pas dégueu, hein, franchement. Et puis, du coup, voilà. Je crois que j'ai pas fermé le transmetteur. Ouais, faut que je le ferme après. Et puis voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la cloche et tout à l'heure. Donc, j'ai pas que je vous kiffe. Allez, ciao!